Salut les loustics, c'est Van Axel et bienvenue dans Passionné de musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, vous commencez à connaître la formule, hein, mais je veux pas penser pendant les morceaux afin vraiment de garder l'intégrité de la track comme l'artiste l'a voulu, et je veux balayer tous les styles musicaux, c'est pas aller du jazz en passant par le hip-hop, le death metal, la pop, des trucs plus ou moins extrêmes, donc n'hésitez pas à suggérer des artistes en commentaire auxquels vous voudriez que je réagisse. Aujourd'hui on répond à une suggestion de Monsieur l'Abeille qui me disait tu devrais écouter Trevor Powers, notamment le morceau Playwright. Je ne connais pas du tout l'artiste, ça me dit rien du tout. Donc j'y vais à l'aveugle. Voilà, il m'a dit que c'était beau, que c'était mélancolique, que c'était assez feel good on va dire. Donc on va écouter ça ensemble, Trevor Powers avec Playwright. Allez c'est parti. Ça sonne comme du shamisen un peu là, très très asiatique, je dirais ouais presque shamisen japonais un peu. Avec un mixage stéréo assez cool aussi. Voix de tête chantée là. Avec un petit filtre vocal sympa là. Oh! Enfoiré. Il y a vraiment des tonalités asiatiques, vraiment j'ai l'impression que c'est du shamisen. Quand la basse elle arrive là sur l'eau, magnifique. La puissance du silence dans le morceau, c'est ça qui est important. Le clip qui est parfait aussi par rapport à la musique. La puissance du silence, vraiment, c'est incroyable. T'as le kick qui vient se mettre un peu dessus. Ça emprunte à plein de genres musicaux, c'est super cool. Des sonorités étranges et tout, et on se laisse facilement porter par le morceau. Et bien, quel morceau? C'était Trevor Powers avec Playwright.
Merci d'avoir suggéré, c'était un excellent morceau, je m'attendais pas du tout à ça. Très difficile à classer, je saurais même pas le classer, parce que ça emprunte un peu au traditionnel folk japonais avec ce son de shamisen, en tout cas ce qui ressemblait à un shamisen à mon oreille. Ça emprunte à l'électro dans la production, ça emprunte à de la pop dans la voix et dans certaines tonalités. Et surtout, le truc qui m'a marqué, c'est l'utilisation parfaite des silences. Il y a beaucoup de moments où, au moment à la fin de sa phrase, il y a un silence musical, comme lié au clip où ils sont sous l'eau, comme une prise de respiration. Avec la seconde avant l'expiration, je sais pas, je le vis comme ça en fait. Une espèce de seconde, où ça dure pas forcément une seconde, mais une demi-seconde, avant d'expirer, vraiment presque en train de suffoquer sous l'eau. Je sais pas, j'ai ressenti ça, et ce choix de silence à des moments est parfait parce que ça crée une emphase sur certains points, notamment quand on a l'espèce de basse un peu électro et lourde qui arrive au moment où on voit le geyser d'eau derrière. C'est juste après un silence, donc ça en rajoute encore, ça donne une puissance énorme au morceau. Donc très beau morceau, un morceau vraiment très poétique, très, je sais pas, presque personnel, presque intimiste. Je sais pas, c'est bien écrit, c'est prenant, c'est beau. Il y a tout ce qu'il faut dans le morceau. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais globalement, le morceau, il y a un travail monumental. Et je sais pas, il y a quelque chose de très viscéral, organique au morceau qui m'a bien plu en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et encore une fois, merci d'avoir suggéré cet artiste. J'irai voir un peu d'autres flows qu'il a fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, Loustic. Allez, ciao, des bisous.